Salut Merlin! Bonjour! Ça ok va? Merpi! Ça va Ouais, bien? chez moi. Bah ça va hein. Qu'est-ce que tu fais avec un bandana? Ah, c'est la poussière dans le nord. Ah oui? Ouais. Tu vas faire des conneries encore ça toi. Ça me rentre dans les naso-nasales. Allez, va faire des bêtises. Allez, salut. Un bisou. Merpi va faire des bêtises. J'ai envie de le suivre. Oh la vache. Pardon. Attends Murphy, faut que je lui demande de l'eau. Murphy, attends-moi. Attends-moi Murphy. Murphy, attends-moi. Je voudrais une bouteille d'eau. Oh là là, attention. J'ai un scooter. Murphy, attends-moi. Oh, tu vas vite. Où est-ce qu'il va? Murphy, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Oh là là. Mais mon scooter, il roulera jamais là-dedans. Oh le bordel, ça n'avance pas. Oh là là. Murphy, qu'est-ce qu'il est parti faire? Murphy. Ouh là là, non! Oh, bordel de chiottes! J'ai rayé le pare-choc! Oh merde! J'ai rayé le pare-choc! C'est une location! Oh putain, merde! J'espère que j'ai pas crevé mon pneu! Oh la vache! Vous avez vu la rayure? Oh, je vais me faire gronder! Je vais me faire gronder! La caution, là, je vais me la prendre dans le pion! Oh, tout ça pour une bouteille d'eau! Ça recule! Allez, vas-y! Oh la rayure! J'aurais jamais dû aller par là! Mais il est parti où maintenant, l'autre là? Ma Murphy, t'es où? Ah, j'ai perdu Murphy! C'est joli ici, un peu con! J'aime beaucoup. On va retourner en ville. Il faut que j'aille. Alors, les quartiers chauds. Où est-ce que c'est, les quartiers chauds? Jalali m'avait montré des quartiers chauds par ici, je crois. Je vais aller par là. On va aller là-bas. On va aller voir s'il y a des quartiers chauds. 9 km. Ah bah dis donc, j'espère que j'ai assez d'essence. À quoi qu'il a dû aller à la Syrie, hein? Peut-être qu'il travaille à la Syrie, merci. Je vais aller voir à la... Oh là là, il y a un stop. Je vais aller voir à la Syrie. Attention, je traverse. Oh là, j'adore ce scooter. Au niveau argent, je suis à moins 3000. Mais ça va, je paye mes dettes. Je paye toujours mes dettes. T'es là, Murphy? Non, il n'est pas là. Bon, allez, je vais pas perdre de temps. Je vais aller en ville. C'est parti. Il faut pas que je me fasse attraper. Il faut que je respecte la loi parce que si je subis une fouille de la police, je vais être dans un sacré pétard. Pétard. Ça va pas être cool. Pardon. Doucement. On regarde à gauche. On regarde à droite et on y va. C'est parti. Oula, voilà. C'est vrai que le démarrage est un peu long. C'est parti. Bonjour. Attention, je double par la droite. Il faut que je respecte la loi parce que si je subis une fouille de la police, je vais être dans un sacré pétard. Attention, je double par la droite. Ah, quand il sent son petit scooter, c'est un rapide. Hein. Ça, je vous le dis. Attention, monsieur. Attention, vous êtes près de moi. Je suis un très bon pilote. J'aime bien sentir, c'est mon côté motard ça. J'aime bien sentir un peu l'air frais. Oh là, j'aime bien sentir l'air frais du vent qui te caresse la chevelure. J'aime beaucoup, c'est très bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand on allait voir les filles, on leur touchait les tétés. Ah ben oui, on allait avec nos scooters aussi. C'était des chilecs. Attention, je vais tourner. Je préviens de mon intention. Ta gueule, espèce de souk. Ah non, il fallait que je tourne là. Ouais, waouh. Oh là là, mon scooter. Oh, il a du mal. Oh, il a du... Attends, faut que je rejoigne la route. Voilà, allez ma pépette. Oui, c'est ma pépette, je l'appelle comme ça, c'est mon petit scooter. C'est ma petite pépette. J'ai trop de swag, hein. J'ai trop de style. J'adore mon style. Attention, je tourne. Attention. Waouh. Oh non, je vais mourir. Tout va bien. Mais c'est pas là les quartiers chauds. Qu'est-ce que c'est? Attention. Je suis un scooter. Oh. Non mais ça va pas à la tête. Bon, je suis loubard. Ah c'est... Là, il y a un quartier chaud ça. Est-ce que vous êtes un quartier chaud? Y'a personne. Vous avez très soif. Mais oui, mais je n'ai pas d'argent. Faut que je demande à quelqu'un une bouteille d'eau. Faut que j'aille à l'hôpital. Je vais demander à Jolie. Docteur Jolie. Elle a certainement une bouteille d'eau. Attention le feu Merlin. Oh là là, tu vas avoir des... Heureusement qu'il n'y a pas de policier. Hein. Oh la vaille. Attends, il y a des rebelles. Vous êtes un quartier chaud? Est-ce que vous êtes un quartier chaud? Oh pardon. Salut, je recherche des quartiers chauds. Hein, vous voulez de la drogue? J'ai de la drogue dans les poches. Si vous voulez. Non? Ça ne vous intéresse pas, d'accord. Salut les jeunes. Alors on fume de la marijuana? Non? Autant pour moi. Bonjour. Vous voulez de la marijuana? Non? Vous parlez quelle langue? Je ne comprends pas. Et si je laisse mon scooter là, vous n'allez pas me le voler. Hein. On peut rentrer là. Non, on peut pas. Non, je voulais voir si on pouvait rentrer. Oui, je vais aller voir Jody. Oui, j'y vais. Je reviendrai plus tard, les enfants. Allez les gars, bonne journée. Vous êtes sympas. Il me faut de l'eau. On est bientôt arrivé à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. Bonjour Ethan. Oui, je vous dis. Ah, docteur Jody.
Je reconnais cette voix. Docteur Jolie. Bonjour Merlin. Bonjour. J'ai un problème, je suis très très déshydratée. Attendez, je vais vous donner à boire. Ah oui, oui, j'ai très beaucoup soif. Vous avez pas pensé à acheter de l'eau? Mais j'ai plus d'argent. Mais je vous en ai donné hier. Mais oui, mais j'ai plus maintenant, j'ai acheté un téléphone. Tenez, je vous en donne deux. Merci. Vous travaillez pas, monsieur? Je suis au chômage. Et vous avez pas assez d'argent pour vous acheter à boire? Mais je me suis acheté un petit scooter tout à l'heure. Enfin, pas acheté. Le plus important, c'est quand même votre santé, non? Mais oui, mais il faut bien que je me déplace. Mais il faut bien que vous vous hydratez aussi. C'est mieux de mourir pour vous plutôt que de se déplacer. Mais en fait, il me fallait un scooter pour aller à la supérette. Mais le problème, c'est que j'ai plus de sous maintenant. Vous comprenez? J'ai acheté le scooter pour aller à la supérette, mais une fois à la supérette, j'avais plus d'argent. Mais la prochaine fois, pensez aux priorités. À manger et à boire, c'est mieux. On ah peut oui. pas se déplacer en étant mort, vous savez. Non, c'est vrai, c'est ouais. délicat. Est-ce que vous auriez 100 dollars à me dépanner? Je vous ai dit quoi hier, monsieur? Vous avez dit, bonjour Merlin, tu vas bien? J'ai dit oui, ça va et toi? Je vous ai dit que c'était la première et dernière fois. Ah non, mais pour la journée. Mais pas pour la journée. Ah ben si, vous avez dit. Je suis pas votre banque. Ah non, c'est vrai, vous êtes ma femme. Non plus. Mais il faut bien m'entretenir un peu quand même. Mais je vais pas vous payer toutes vos courses quand même. Bah juste un je vous un ai peu. Déjà je vous ai déjà payé votre téléphone, vous pensez pas que c'est suffisant? Oui, d'accord. Mais alors au moins 50 dollars. Vous n'arrivez oui. pas. Oh, c'est vrai? Oui. Ah, c'est très je vais pas vous faire un bisou. Non. Bah oui. Tenez. Ah ben merci beaucoup docteur Johnny Deal. Achetez-vous des bouteilles d'eau et à manger. D'accord, mais j'y vais de ce pas. Très bien. Oui. Est-ce que vous savez non, en fait c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On se voit ce soir à la maison. Allez, bisous. Quelle maison? Oui, oui. D'accord. Merci docteur Johnny. J'ai de l'argent encore. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va aller acheter de l'eau. Ah, je lui avais pas dit que j'avais un scooter. Bonjour Blake. Aujourd'hui j'ai de l'argent, je peux te payer. Tu me donnes de l'eau? J'ai plus d'argent déjà. Quoi? Je peux te payer en tête de weed? Alors attends. J'arrive pas à faire mon choix, Blake. Attends. Voilà. Voilà, j'ai 5 bouteilles d'eau maintenant. Et j'ai combien de... Ah bah ça va là. Allez, bonne journée, Blake. Amuse-toi bien avec tes ananas. Bon, maintenant on peut aller chercher les quartiers chauds. Je me rappelle jamais d'où c'est. Là, c'est des quartiers chauds peut-être. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire de l'argent. Et vous savez comment je vais me faire de l'argent? Je suis trop malin. J'ai une idée. Regardez, on va aller voir la police. J'ai pas intérêt à me faire fouiller par contre. Bonjour. 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 Je vous laisse mon nom éventuellement. Pardon? Est-ce que vous voulez que je vous laisse mon nom éventuellement? Oui, dites-moi. Oui, monsieur Broman. Broman? Ouais, oui, okay. Oui, c'est ça, Broman. Ok, je lui dirai alors. Ah bah merci, bah je repasse d'ici un quart d'heure. Ça marche, à plus tard. Merci. Oui. Bonjour monsieur Merlin. Bonjour monsieur l'agent de la police. Comment savez-vous? Ça va, j'ai une petite question, à vrai dire. La police sait bien protéger et servir. Oui. Oui. Eh bah, ben est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dépanner d'un peu d'argent pour m'acheter à boire et à manger? Peut-être pas de l'argent, mais je peux vous donner un casse-croûte et à boire. Ah oui, je veux bien, très volontiers. Ah oui, je suis très fin et j'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Vous étiez pas dans une pièce à l'hôpital, vous? Ah bah c'est réglé cette histoire. Ouais. Je vais mieux. Ah oui, j'ai de la biafine et de la vaseline pour soigner mes brûlures. Il y a que le bas du dos qui me tire un peu en ce moment, mais ça va. Ah merci monsieur l'agent de la police, merci beaucoup. Ah, 300 000, vous êtes extrêmement généreux, merci beaucoup. Voilà, monsieur. Ah, je vous souhaite une excellente journée. Ah vous aussi, soyez prudent. Ah oui, je suis toujours prudent, vous savez. Par contre, rouler en scooter, vous savez qu'il y a besoin d'un casque, monsieur? Ah bah oui, mais j'ai pas d'argent pour m'acheter un casque. Vous pourriez m'aider? Il faudrait peut-être trouver un travail. Ah ben je cherche, mais je n'en trouve pas. Bah, éboueur, il recrute tout le monde. Oui, mais où est-ce qu'on achète un casque? Au magasin de vêtements, un peu plus loin là-bas. D'accord. Et ça coûte cher? Un peu moins de 200 dollars. Vous auriez un peu moins de 200 dollars? Merlin, il faut faire un effort. Hein. Ah ben j'essaye, mais j'ai 3000 dollars à rembourser. À qui? À ma banque. Eh bien, vous prenez votre scooter là. Vous oui. allez au Pôle emploi, vous oui. dites que vous voulez être éboueur et vous allez faire quelques travaux chez les éboueurs et à ce moment-là vous aurez de l'argent et vous pourrez à nouveau circuler. Et oui, mais comment je fais pour aller jusqu'à l'éboueur si j'ai pas de casque? Bah, vous appelez un taxi. Mais j'ai pas d'argent pour le taxi. Oh putain. Bah oui, c'est pour ça que je suis embêté quand même. Attendez, je vais voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Il est trop con. Ils sont cons. Ah oui, j'ai un plan. Je vous ai dit, je sais comment je vais me perdre de l'argent moi. Monsieur Merlin, mettez-vous plus par là. Oui, bien sûr. Comme ça, je peux lui montrer que vous êtes là et il viendra peut-être un peu plus vite. D'accord, qui ça? Le sergent, c'est qui s'est occupé de vous hier. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Comme ça, il saura savoir ce qu'il peut vous donner ou à quoi vous avez droit. Ah bah c'est très gentil, merci monsieur l'agent. Et de rien. Wanted. Ah bah je peux vous aider à rechercher le monsieur si vous voulez.
J'ai été détective. J'ai été un gros détective, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Wanted? Un monsieur avec un bouc. D'accord. Mais c'est combien? Je vais demander combien est la prime. Ah, je vais le retrouver, lui. Hein. Je sais pas combien ça rapporte, mais à mon avis, ça va rapporter. Il faut juste que je trouve un monsieur un peu rondouillard avec un bouc et des cheveux. Et je vais lui dire de me suivre et je l'emmène au commissariat. Et là, je récolte la prime. Ah, ben oui, ben, je suis un génie. Il faut que je demande à l'agent combien c'est la prime. Eh, c'est combien? Et quelqu'un, je vais pas attendre la 100 ans. J'ai 50 têtes de witch sur moi. Je dis ça, je dis rien. Moi, je vais pas attendre 100 ans non plus, et dis donc. Ah ben, c'est le même monsieur, regardez. C'est le même. Là, c'est lui, là. Il faut le retrouver. Ah ben, voilà. Et il vérifie que je fais pas les entendre. C'est mal me connaître. Oui, et du coup, je dis yo, c'est... Ouais, ouais, bon, ok. Ouais. Allez, au revoir, monsieur. Je suis déçu. Au revoir, bonne soirée. C'est la bide. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah bonjour, qu'est-ce monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Bic? Mais je viens. Comment allez-vous, monsieur Merlin? Mais ça va bien. Alors, je viens vous poser deux questions. Hein, je vous écoute. La première, c'est j'ai un scooter de location. Hein. J'ai arrêté d'emprunter les scooters aux gens. Maintenant, je l'ai payé de mes propres deniers. Ah, très bien. Oui, mais j'ai plus d'argent. Et j'ai pas de casque. Et je voulais voir avec vous si vous pourriez m'offrir un casque. Ça, c'est la première question. Combien ça coûte un casque déjà? Un peu moins de 200 dollars. Un peu moins de 200 dollars. Allez. C'est vrai. Je suis avec vous pour votre sécurité. Ah, mais merci beaucoup, monsieur l'agent. Ah, bah, j'ai pas l'argent sur moi. Faut passer à la banque, monsieur Merlin. Ah, oui. Et j'ai une deuxième question. Oui. Oui. Elle concerne cette affiche. Regardez. Venez voir. Là, je vois qu'il y a un monsieur à chercher. Si je vous le retrouve, j'ai la prime. Bah, y a pas de prime mentionnée. Ah si si. Regardez bien en bas à gauche. En bas à gauche, c'est le recrutement et les speedy. Ah bon? Ah d'accord. Je croyais que c'était une prime. Mais si entre nous, si je retrouve cette personne et que je vous l'amène, est-ce que je peux toucher au moins 10 dollars? Alors ici, par contre, vous avez une récompense de 1000 dollars si vous êtes capable de nous avoir des informations sur des personnes qui détiennent des armes illégales. Cela vaut également pour de la drogue. Si ah vous oui avez connaissance de... Ah ben bien sûr, monsieur. 1000 dollars si je trouve quelqu'un qui a de la drogue sur lui? Oui. De la drogue ou si vous trouvez des endroits où il y a de la drogue, ou alors si vous trouvez ou des personnes qui vendent des armes illégales, comme noté sur l'affiche. Donnez-moi 1000 dollars, je connais quelqu'un qui a de la drogue sur lui. Après vérification, évidemment. Attendez, on donne pas 1000 dollars comme ça, monsieur Merlin. Ah ben si, je sais. Il faut une vérification. Vous voulez que je donne son nom? C'est qui? C'est moi. Allez, 1000 dollars, donnez-moi. Arrêtez avec vos bêtises, monsieur Merlin. C'est pas des bêtises, il faut me donner 1000 dollars. Ah non, vous devez me donner 1000 dollars, monsieur l'agent. Ah, vous allez pas commencer, monsieur Merlin. Mais ce n'est pas une blague. Vous avez de la drogue sur vous? Oui. Oh putain. Vous êtes au courant que regardez, c'est 1000 dollars pour des informations? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ben oui, mais vous me donnez 1000 dollars maintenant, je vous l'ai donné. Mais vous êtes au courant que c'est 1000 dollars d'amende? Ah ben non, vous n'avez pas dit ça, vous avez dit si vous trouvez quelqu'un qui a de la drogue sur lui, c'est 1000 dollars. Non, si vous avez des informations sur des revendeurs de drogue, des trafiquants de drogue, eh ben, je vous ai des donné... lieux où il y a de la drogue, donc vous êtes un trafiquant de drogue. Ah ben non, hein, je vous ai donné 1000 dollars. Ouais, et eh ben moi je vais vous mettre une amende de 1000 dollars. Ah ben non de... Ah ben, de 25 à 50 de pochons en possession de drogue sur soi, c'est 1000 dollars d'amende, monsieur Merlin. Mais c'est pas à moi! Oh là 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 là! Mais vous devez. Monsieur Merlin. Oui. On sait plus quoi faire avec vous. Mais je ne sais pas. Vous avez dit, si j'ai des informations sur quelqu'un qui a de la drogue, je gagne 1000 dollars. Je vous ai donné une information sur moi-même, je dois gagner 1000 dollars. Non, 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 non. Mais c'est pas les informations sur vous. Sur les trafics de drogue, sur des lieux de drogue, des lieux suspects, ou alors même des personnes, par contre, qui vous proposent des armes illégales. Ah oui? Mais voilà, on peut vous. Je vous connais. Vous allez pointer du doigt à la moitié de la ville et dire qu'ils ont de la drogue. Mais nous, on peut pas fouiller l'ensemble des personnes. Ah bon? Vous comprenez? Mais je ne connais personne qui vend des armes, moi. Ouais, mais ça, c'est justement noté sur l'affiche. Hein, c'est au cas où vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les remonter. D'accord, mais je me renseignerai. Très bien. Bon, allez, oui, on va aller acheter votre casque. Ah oui, merci, monsieur l'agent. Nous, on va repartir en patrouille, je pense. Oui, ouais, monsieur. Je vais poser la drogue de monsieur Merlin. C'est pas la mienne, hein. Et vous l'avez trouvée où, celle-là? Ah, laquelle? Bah, c'est cette drogue-là. Vous c'était l'avez dans un coffre. Un coffre de quoi? De voiture. Et venez d'où la voiture? Elle était au milieu d'un parking, monsieur l'agent. Les portes étaient ouvertes et j'ai entendu des coups de feu et j'en ai profité pour aller voir ce qui se passait. Et je dois avouer que mon instinct voulait voler la voiture. Mais, ouais. j'ai juste regardé dedans et j'ai vu des petits pochons et j'ai tout pris. Oui. Vous avez donc volé dans le coffre. Vous vouliez voler la voiture, mais vous avez volé dans le coffre. Oui, non, parce que c'est interdit la Marie-Jeanne. Alors j'ai pris pour pas qu'ils puissent faire du mal aux enfants. Et je suis venu vous les donner pour retoucher 1000 euros. Ouais, c'est parce que je vous ai dit ce qu'il y avait écrit sur l'affiche, sinon vous ne me l'auriez pas donné. Ah si, mais j'avais oublié, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vous jure, hein, c'est pas du pipotage. Avec vous, monsieur Merlin, je sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Oui, ah, je peux vous bon, l'assurer. Attendez, on va déposer tout ça. Oui, bien sûr, je vous laisse faire. Si vous en retrouvez, vous nous le dites.
Oui, et ça coûtera 1000 dollars aussi. Si vous nous le dites avant, bien sûr. Avant, d'accord. Mais alors, ce que je ferai, c'est que je n'y toucherai pas. Bah, attention, c'est vous ne m'emmenez pas à chaque fois 50 pochons comme vous venez de faire. Hein. Vous avez vu le poids que ça fait? Oui, oui, non, mais c'est pour ça que j'avais un petit sac avec moi quand même. Ouais, mais vous ne m'emmenez pas et vous n'allez pas toucher 1000 dollars. Hein. Je ne suis pas un revendeur de drogue ou acheteur de drogue, monsieur. Qu'on soit bien d'accord. Ah oui, d'accord. C'est juste des informations sur les points importants. D'accord, j'ai compris la situation. Très bien, je reviens tout de suite. Mais j'ai fait une bonne action, là. On va dire que c'est une bonne action. C'est toujours de la drogue qui ne circule pas dans les rues, donc c'est une bonne action. Allez. D'accord, ok. Donc j'ai les 1000 dollars. Non ! D'accord, oh là là. Je me suis fait avoir. Je vais marchander. Et par contre, vous allez avoir un beau casque. Ah oui, ça c'est bien. Est-ce que je peux avoir la moitié alors ? Au moins 500. Non, mais attendez. Déjà, les cas, je les paye avec mes propres fonds. Ah oui, non, mais là, je vends les fonds de la LHPD, pas les vaux. Non. Les récompenses ne sont que pour les lieux de revente, les lieux de où est-ce qu'il y aurait éventuellement des plantations de drogue, des informations sur des dealers, des informations sur des revendeurs d'armes. Attendez, je vais relire la fiche. Oui, oui, je vous en prie. Si vous connaissez quelqu'un qui porte, qui vend ou qui utilise des armes illégales, merci de nous appeler. D'accord. Et pour cette partie d'armes illégales. Et ça concerne également tout ce qui est drogue. Et si jamais, bah vraiment, c'est hypothétique, hein. Si jamais je sais où il y a une plantation, monsieur, est-ce qu'on peut pas négocier un peu le prix? Non, mais on n'est pas au solde, monsieur. En fait, je vous explique. J'ai moins 3000 sur mon compte. Si on les remet à zéro, je vous dis où il y a une plantation. Écoutez, tout ce genre d'information se verra dans ce cas-là avec le capitaine. C'est lui qui a accès au coffre de l'Espidi. Et suivant la véracité des propos et des informations que vous nous aurez communiquées, et l'utilité, parce que bien sûr, vous savez très bien que notre travail de police, nous, voilà, hein, si vous nous apprenez des choses qu'on sait déjà, ça ne nous servira pas à grand-chose. Ah ben oui. Mais dans ce cas-là, je sais que vous avez le nez qui... Vous êtes un petit fourre-tout, vous. Ah ben, j'étais ancien détective, hein. Il y a 50 ans? Ah, ouais, à peu près. Un mois? Non, à peu près 35 ans, je dirais. Ah oui, je me disais, ouais, depuis, ça s'est détérioré un peu. Ah oui. Ah, c'est sûr. Mais j'étais un sacré bon agent de l'enquêtration. J'enquêtais, j'ai fait, toi, il est où ton petit chat? Allez, on le cherche, et hop. Ah, vous faisiez beaucoup d'enquêtration. Oui, oui. Ouais, c'est des enquêtes, mais c'est pas grave. Je peux m'infiltrer dans un gang pour vous, hein. Je suis capable de faire ça. Non, prenez pas de risque, monsieur. Ah oui, mais je suis courageux, vous savez. Non, prenez pas de risque. D'accord, très bien. Laissez juste traîner vos oreilles et vos yeux. Je pense que vous êtes très doué pour ça. Oui. Malheureusement, vous êtes très voyant, hein. Ah, oui, moi, ça arrive. Mais voilà, soyez intelligent, attentif là-dessus, et puis vous revenez vers nous. D'accord, promis, j'aurai craché. Très bien. Bon, allez, suivez-moi, on va aller vous chercher un petit casque. D'accord. Vous n'avez pas les 1000 dollars avant? Certainement pas. D'accord. Au revoir, Com. Bonne journée.